Il est où l'animal ? Et salut à tous, c'est Ribosome et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Red Dead Redemption 2. Et aujourd'hui, avec ma chemise pas repassée, on va aller chasser le saumon rouge légendaire. Attention, tac ! Voilà, un saumon qui va vous infliger des tendinites au pouce, aux index et un peu à l'épaule. Allez, moi je vous laisse et on va regarder ça ensemble. Abonne-toi. Et avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous dire merci à tous parce qu'on a passé les 1500 personnes sur la carte. Je sais pas pourquoi j'ai dit carte. Et plus particulièrement, merci à Zidelin T27. Je vais vous lire son commentaire. Ça fait pas longtemps que j'ai Red Dead, j'ai cherché des vidéos de chasse sur YouTube. Et t'es le lingot de la platine, de la game avec ton contenu propre, facile, génial. Et ta super moustache badass. PS, c'est quoi ton cheval? Alors mon cheval, c'est un pur sang arabe noir que j'ai acheté récemment parce que Tornado premier du nom, vous pouvez le voir dans les anciennes vidéos, donc du coup dans les lives, Tornado premier du nom s'est fait écraser par un train. La meilleure transition de toute ta vie. Accroupi devant mon feu, j'attends que le saumon légendaire tombe devant ma tronche. Et du coup voilà, on est de retour sur Red Dead Redemption 2 dans le jeu, cette fois-ci pour aller chasser le saumon rouge légendaire. Et je vais vous montrer instantanément où ça se trouve sur la carte. Attention, on n'est pas loin de là où j'avais buté le bison blanc légendaire à l'époque où j'avais pas de micro, à l'époque où j'avais pas d'assurance et à l'époque où j'avais pas de vue. Et du coup, on est tout à l'ouest de la map, vers Lake Isabella, à cet endroit-là. Et donc, naturellement, on mettrait le curseur ici, mais je vais vous montrer que c'est pas aussi simple que ça. Instantanément, il va y avoir une transition. Attention. Et voilà, transition effectuée avec succès. Alors du coup, où est-ce que je me trouve? Je suis, vous voyez, là il y a la petite île qu'on peut voir à cet endroit. Et en fait, moi je suis ici, là, tac. Et le poisson légendaire, en tout cas, enfin moi quand je l'ai fait hors caméra pour voir où il était à cet endroit. J'ai failli m'étouffer. C'est pas grave, je sais que ce sera la cause de ma mort, mais c'est pas grave. Donc à cet endroit, vous allez trouver le saumon rouge légendaire, et si jamais vous avez du pot, avec l'œil de lynx, vous pourrez le voir. S'il y est pas, vous en faites pas, en fait il va spawn quand vous allez sortir votre canne à pêche. Tac, voilà. Donc la canne à pêche, et je rappelle, pour choisir l'appât, vous maintenez L1, et vous prenez le leurre de lac spécial, que vous pouvez acheter dans la petite boutique à Hameçon. Juste après avoir débloqué les quêtes des poissons légendaires. Si jamais vous savez pas comment on fait, je vous invite à aller voir ma vidéo, la première vidéo de cette playlist sur justement le crappé harlequin, où je vous explique tout. Donc là voilà, là ça mord. Et on va voir ce que ça dit, on va voir ce que c'est. Alors à cet endroit, il faut savoir qu'il y a un assez gros bug, et en fait il est plus facile de choper le poisson de ce côté de la rive que de l'autre côté, là juste en face. Vous voyez là? C'est lui. C'est lui parce qu'il est rouge et c'est le seul truc rouge qu'il y a dans ses os. Voilà. Donc là, je commence à avoir mal à l'index gauche. Sans aucun problème, je continuerai à pêcher ce poisson. Là, il se fatigue. Attention, vous pouvez entendre le bruit de mon joystick droit. Pour remonter ma ligne, j'en chie comme c'est pas possible. Là, je fais dans le sens inverse pour le fatiguer. Le problème, voilà, c'est qu'il s'en va. Ah putain, il est encore plus loin que tout à l'heure. Si ça vous énerve, je vous invite à avancer de 30 secondes. La chasse, c'est quelque chose de fatigant dans Red Dead. Pire, moi, je ferai une avance rapide si jamais c'est trop long. En plus, on voit plus rien avec cette putain de brume. C'est pas fini. J'ai mal, j'ai mal. Bon, je vais bientôt l'avoir. J'ai extrêmement mal à mon index gauche qui maintient la touche L2 pour que ma canne à pêche garde le poisson. Et là, attention. Je crois que je vais vous montrer mon doigt après. Oh putain! Ah, le bâtard! Bordel! Actuellement, ma main est totalement coincée à cause du saumon rouge légendaire. Allez! Quatrième essai, nul à la pêche. Va te faire. Saumon rouge de merde. Après une excellente nuit de sommeil et 4 essais manqués, Arthur Morgan repart chasser le saumon rouge.
FDP. Toi, t'as un problème de sabot. Cinquième essai. C'est parti. Et voilà. Comment on fait bugger le saumon rouge légendaire. Je te déteste. C'est un beau saumon. C'est un beau saumon. Encyclopédie mise à jour. Saumon rouge légendaire. Donc je maintiens start. 24 kilos le truc. Il fait 24 kilos et mon doigt est violet. Mon doigt, mon index gauche. C'est une belle histoire. Le saumon rouge légendaire se trouve au lac Isabella. Bon, ça, c'est pas une découverte. Ma chaîne, la mère veut que ce poisson fasse près de 1m30 de long et pèse 22 kilos. Mais non, là, celui-là, il en fait 24. Donc du coup, surtout ne le remettez pas à l'eau. Donc on en a fait deux pour l'instant. Ne le remettez pas à l'eau, vous faites garder. Hop. Et ensuite vous allez l'amener dans un bureau de poste pour pouvoir l'envoyer à cette personne qui a besoin de beaucoup de poissons légendaires. Ah, une belle merde. De tornado. Tornado 2. Parce que mon premier cheval est mort écrasé sous un train. Du coup, voilà. Eh bien écoutez, on va se retrouver à la poste. Je tuerai ce saumon à la dynamite dans mes rêves. Saloperie de saumon. Je vais te faire rôtir, saumon rouge. Salopio égale saumon rouge. Et du coup, voilà. On est à la poste. C'était pas là, enfoiré de saumon. À cause de toi, j'ai mal aux doigts. Donc du coup, voilà. On est à la poste. Et on va faire... Attention. Flèche de droite. Envoyer du courrier. On va envoyer le crapé arlequin. Légendaire, ah oui, je l'avais pas envoyé, dis donc. Eh bien, je l'envoie. Voilà. Et je vais envoyer le saumon rouge légendaire à la personne qui est censée le réceptionner, dont j'ai totalement oublié le nom. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et ça, c'est les os de dinosaures, mais ça, je le ferai plus tard. Donc, poisson légendaire 2 sur 13. Vous avez envoyé au moins un poisson légendaire à Jeremy Jill. Bien sachez parler, c'est primordial. Donc c'est son prénom et son nom, retourner dans un bureau de poste au bout de 24 heures pour récupérer l'argent. Eh bien c'est parfait, le saumon rouge a été chassé, c'est extraordinaire. Et voilà mesdames, messieurs, eh bien écoutez, ma chemise n'est toujours pas repassée, mais au moins on aura chassé le saumon rouge légendaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si jamais ça vous a plu ou si ça vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires ce que vous voulez voir comme prochain poisson légendaire à chasser. Allez, moi je vous laisse parce qu'on a encore du game à poutrer. Ciao. C'est un beau saumon. C'est une belle histoire. Abonne-toi.